téléphone au volant, j'avoue, c'est pas le bon. Mais c'est genre le truc à ne pas faire du tout. Donc, très mauvais exemple. Mais là, vous savez qu'est-ce que j'ai vu? Une Osmo Pocket! Un Microforce en Martinique à 349 euros. Elle est vendue partout, 359 euros. Alors, du coup, je me suis dit, non, mais il faut déjà y voir ça direct, tu vois. Direct, direct. Parce que, franchement, ça devrait vachement m'aider dans mes vlogs. Et je me dis que là, pour l'Allemagne, ce serait cool d'avoir. Enfin, j'aime bien avoir mon téléphone pour filmer avec et filmer dessus. Mais tu vois, si je pouvais avoir un appareil à côté. Enfin, j'ai acheté un TZ80, mais je vous assure, la qualité de l'image sur le TZ80, elle est pas ouf, quoi. Là, je pourrais peut-être faire d'un 4K. Et comme en plus de ça, je vais au Tokyo Game Show en septembre, je me dis que voilà, j'ai pas pris le Rail Pass, le Japan Rail Pass, les vrais savent, les vrais vont comprendre. Mais à la place, ben. Voilà, je vais prendre une Osmo Pocket si tout va bien. Allez, on se revoit juste après, normalement, pour l'unboxing. Je sais pas si j'ai le droit de fumer dans le magasin, mais on va voir ça après. À toute. Embouteillage, c'est chiant, putain. Vraiment. Les vrais vont dire que je pense qu'au McDo, mais... Là, j'ai une mission. Bon bah c'est génial ça, j'ai vraiment la place du roi, tu vois, en face de l'entrée du magasin et ma caisse est juste dégueulasse. Je crois que j'ai rarement vu une caisse aussi dégueulasse. En tout cas je suis content parce que du coup à Microforce je vais pouvoir peut-être trouver ce que je veux. Mec, c'est j'aime pas comment retourner ça, mais c'est trop la tristesse parce qu'en fait le prix qui est affiché c'est une erreur. Donc genre en fait, des affiches à 349 euros, c'est moins cher qu'en France à 359 euros. Mais en fait, il coûte 379 euros. J'ai dégoûté. Donc du coup, je l'ai pas pris parce que... Ouais, c'est que 20 euros de plus qu'en France. Mais comme je pars directement en France, autant que j'achète directement là-bas. Voilà. Ouais, du coup, je vous laisse. Et normalement, cette introduction-là devait servir à l'unboxing de l'Osmo Pocket parce que je comptais l'acheter tout simplement. Mais bon. À ce prix-là, je vais réfléchir. On va se calmer un peu, quoi. Et peut-être qu'il fallait pas que j'achète, en fait. Tu vois, peut-être qu'il vaut mieux que je filme avec le téléphone. Il filme très bien, ce téléphone-là, en fait. C'est limite, je suis une feignasse, en fait. Enfin, bref. On va voir. Bah, d'ailleurs, j'ai avec moi mon... Il est juste là. Mon TZ80. Et le reproche que j'ai, c'est la stabilisation, en fait. Quand t'es en 4K, ça vibre de tous les sens. Mais peut-être qu'il y a des solutions pour ça. Je vais regarder aussi, de ce côté-là. Bon, et moi, du coup, je vous laisse. Je vous dis, à chez les otaku. En plus, non, ça va pas être diffusé sur Otaku. Je vais mettre directement ça sur... je vais faire un tout mini vlog sur ma chaîne perso. Voilà. Ciao, ciao.